Pizza Party, c'est un grand spectacle, rassemblement populaire, une méga fête d'aujourd'hui. Des chanteurs et des danseurs de chansons traditionnelles. Chansons répondent du bon vieux temps. Une rencontre des générations empreinte de fierté québécoise. Que la grande fête commence! C'est Angèle? Oui! Là, c'est l'Ultra Party. Oh, c'est la vraie affaire à l'hôtel. C'est parti! Oui, et puis c'est à la salle Opale. C'est à Saint-Lin. C'est merveilleux. C'est pas n'importe où. Oui, non, c'est pas n'importe où. T'as vu cette belle salle-là? Mais bon, ben, l'Ultra Party, ça va être tout un Ultra Party. J'ai jamais vu une affaire pareille. C'est pas la première fois que je fais ça. Non, j'en ai fait ça. Plusieurs, hein, tu sais. Oui, hein? Dans le temps, il y a plusieurs années, on faisait la Canadienne. Après ça, il y a eu le temps des fêtes, des spéciaux. Il y a la veille chez Perdue. On a eu un Ultra Party il y a plusieurs années et je remets ça. Je remets ça. T'as ça dans le sang, je pense. Sais-tu pourquoi? Un peu pour toi, ma chère. Ah, c'est gentil. Beaucoup, un peu beaucoup. Parce que ça va être une levée de fonds, en quelque sorte, pour la belle mission que tu as, parce que tu es marraine d'une fondation pour les jeunes. Oui, plein air à plein cœur, Dignité Jeunesse, La Fourchette de l'Espoir. J'ai plusieurs fondations, mais ça me touche beaucoup, en vrai. Le père Jean Boyer qui est avec toi. Le père Jean Boyer qui, lui, gère tout ça, tous les enfants. Et à l'été, il s'en va au camp, puis il donne une formation aux enfants. Ben, pour les valoriser et leur donner une dignité. C'est pour ça que je t'avais promis que je ferais quelque chose. Ben voici, c'est Ultra Party qu'on t'offre. Et c'est parti! On t'offre Ultra Party, c'est déjà parti, puis on a des belles surprises pour toi, ma chère. C'est gentil. On a merci. Des belles surprises. Garde bien ce qu'on a aujourd'hui à te présenter. On va aller les voir, ils ont déjà commencé. Je suis tout à l'écoute. Les gens que t'entendent, ça, c'est l'ensemble folklorique, l'ensemble Les Amis. Les Amis du folklore de Saint-Lin. Ça fait des années qu'ils font ça, ils sont plus d'une trentaine, quarantaine, et puis qui conservent cette musique de tradition-là. Alors ça, c'est du vrai, vrai. Mais ça, en même temps... Ça, c'est du vrai, la belle musique du Québec. En même temps. En même temps. Tu vas connaître des gens-là qui vont faire toute la party. Je vais écouter. L'autre party, c'est avec Carl Gauthier. Ah, ben ça, c'est notre chum. Brigitte Leblanc. OK, la des îles de la Madeleine. Oui, tu es ici, Lauzon. Ah! Mon Dieu! C'est Lauzon qui va être là aussi. C'est ça! Tu vois ça, il chante avec son ukulélé, puis c'est quelque chose d'exceptionnel, oui. Oh, là là. Alexandre Caron, qui vient de Montmagny, est un jeune phénomène de l'accordéon. Il est partout, il est en Europe, il est partout et tout ça. Il est parti de Montmagny pour venir faire ça. Ça veut dire qu'on vous aime, hein? Comme Brigitte, qui est partie des îles, hein? Oui! Il y a, bien sûr, nous autres, on va faire le... Normand Verret, Clément Lepage, Carl Gauthier, puis moi, on va te faire une chanson. Mon Dieu! Puis vous aussi, j'espère que vous allez... Oh. Je vais t'en faire, inquiète-toi pas. Il y a Claudette Dion. Oh! Claudette Dion, regarde. Claudette Dion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chanter la petite vache noire. Claudette Dion, elle va chanter la petite vache noire. Oui, tu vois ça, c'est drôle. Ah, fais garçon, souhaite. Il y a le Doc Lapointe. Oh, ben notre Doc qui est parti de Québec pour venir te chanter une chanson, il s'est préparé. Faut que tu le fasses. Ben, je pense que ça fait trois mois qu'il répète la chanson. Alors, j'espère qu'il a appris. Oui. Puis là, la surprise. On se prépare déjà depuis un bon moment, nous autres, avec l'ensemble vocal des chefs cuisiniers du Québec. Et pâtissiers du Québec. Oui, ce sont pour la plupart de tes élèves, ça. Ah, bien, c'est des amis. C'est nous, on travaille ensemble. C'est des personnes, les chefs, c'est des gens de cœur. C'est de la générosité. Mais je pensais jamais qu'on a réussi à faire un chorale. Ben. Écoute, on n'a jamais vu ça. On m'a lancé un défi l'année dernière. On aimerait ça former une chorale. Alors, j'ai apporté de la musique, j'ai apporté de mes chansons, et puis on a répété souvent. Hein, on a répété souvent, puis là, ils sont prêts. Dans la petite maison chez nous. Ils sont prêts pour le temps des fêtes. J'ai et puis, tu vois ça, ce qu'ils vont faire à la fin pour terminer l'année, pour en commencer une nouvelle. C'est tout beau, hein? Ma chère Angèle. En tout cas, on s'en suis vraiment touchée d'avoir pensé à ça, parce qu'il y a le père Jean qui aimerait être ici, mais évidemment, il est tellement occupé. Mais peut-être qu'il va arriver un peu plus tard. Il va arriver un peu plus tard. Peut-être, on verra tantôt. On va poursuivre le courant. Mais chose certaine, ma chère, nous t'offrons l'Ultra Party 2014! Et viva! Cher Angèle! Bon Québec, c'est la nouvelle année! Bien, on va aller voir ça, la partie. Viens-t'en.